à la rencontre des artisans. Je vous emmène avec nous à la rencontre d'artisans passionnés et bienveillants. Découvrons ensemble ces artisans passionnés qui produisent de la laine de qualité. Alors Aurélie, tu élèves des petites bêtes? Des petites bêtes laineuses, des moutons à grand chien. Peux-tu nous parler un petit peu de la race du mouton à grand chien, s'il te plaît? C'est une race qui est ancienne? Alors c'est une race ancienne, c'est une race qui est originaire du sud de la Manche. Et c'est une race qui a la caractéristique d'avoir une jolie laine, bien fine, bien longue, qui nous permet aujourd'hui de faire des pelotes magnifiques en pure laine de mouton à branche. Et d'ailleurs, tes pelotes, on peut les retrouver sur ton site. Hein. Je le souligne dès le début de la vidéo, comme ça pour ceux qui voient la vidéo, elle a un site internet dès le début, comme ça c'est souligné. Ça fait combien de temps que tu en élèves? Des moutons à branche, ça fait une dizaine d'années. Et je suis venue à ce mouton parce que en fait, quand on regarde, il a une super tronche. Ah ouais, moi j'aime bien, ils ont une bonne tête. Voilà, c'est un mouton qui a plein de qualités. C'est des moutons qui sont hyper sociables. Je l'ai vu, j'ai remarqué. Après, on pourra parler du goût excellent, de la viande. Mais ce que j'aime à retenir, c'est surtout cette belle tête, cette belle laine. Et ça nous permet et vraiment... leur gentillesse. Et voilà, et le côté un peu facile. C'est ça. Et même si c'est aussi, alors il faut quand même le souligner, c'est une race à petit effectif qui est quand même en danger. Oui, c'est ce que tu me disais. Comment ça se fait qu'elle est en danger, cette race? Alors c'est une race qui est aujourd'hui fragile et fragilisée parce que c'est une race qui ne correspond pas à une agriculture un peu plus industrielle. C'est des moutons qui s'enferment très mal. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'extérieur. Voilà, ils ont besoin d'aller dehors en fait. Et là, je les ai rentrés quelques temps pour les agnelages. Je sens qu'elles ont besoin de sortir, elles ont besoin d'aller manger de l'herbe, elles ont besoin de... C'est pas une race, donc, comme tu disais, qui pourra se prêter pour une laine industrielle. Ça, alors, non, c'est pas une race qui se prête à... De l'élevage industriel. D'être rentrée 6 mois de l'année, la branchine, elle pourra pas le faire. Ouais. C'est pas possible, même 4 mois, c'est pas possible. Quelques semaines, ça le fait aux agnelages, mais elles n'ont plus envie, c'est de ressortir. C'est ça, uniquement quand elles ont mis bas des petits. Mais voilà, ensuite, on protège un peu les petits parce que chaque naissance compte, parce que sur des petites races comme ça, chaque naissance est importante, on fait très attention. Il n'y a pas beaucoup d'élevage aussi en France? Alors, il y en a en France, il n'y en a que en Normandie-Bretagne. Et on est un petit noyau d'éleveurs très attentionnés où vraiment notre rôle, c'est d'installer d'autres personnes. En fait. Ouais. On coopte d'autres éleveurs. C'est-à-dire que vous coopérez entre éleveurs, oui, pour permettre à la race d'être élevée quand même. On installe des gens. En fait. Voilà. Alors après, on n'exige pas que la personne ait un super gros bailliage. Ce qu'on veut, c'est que la personne soit à l'écoute. Donc respectueuse de l'animal et de ses besoins. Oui, et puis ce qu'on veut aussi, c'est que la personne elle ait envie de se former et qu'elle, par rapport à ça, elle s'implique. Ce ne soit pas pris à la légère, on est d'accord? Ben non, parce qu'on confie de la génétique. Alors ça c'est important. Et on confirme l'être vivant. Alors l'être vivant et de la génétique. L'être vivant, nous, on travaille vraiment une race. Donc on va travailler de la génétique. Donc on va travailler les qualités laine. Les qualités bouchères, on a des objectifs. C'est-à-dire qu'on veut faire de ce mouton un mouton attractif. Et donc, moi, je l'ai trouvé attractif. Ouais, parce qu'ils sont sympas. C'est plus des moutons, c'est des petits chiens, là. Ah, mais complètement, t'as vu tout à l'heure avec les filles, avec moi. Franchement, j'ai été très agréablement surpris. Je pensais pas qu'un mouton, ça pouvait être... Enfin, après, j'ai pas vu 36 000 moutons dans ma vie, mais je pensais pas que ça pouvait être sociable comme ça. C'est épatant, je trouve. Alors, ici, ils sont particulièrement sociables parce que j'y suis... Tu les aimes pas, hein? Ouais, j'en prends soin. J'en prends soin et puis je suis assez souvent là, ce qui fait qu'elles sont assez habituées à ça. Puis, j'ai pas de chien de berger. J'ai des chiens. Mmh. T'as pu voir. Oh. Mais j'ai pas de chien de berger, donc il faut que ça soit pratique pour moi et je gagne du temps. C'est des moutons qui n'ont pas besoin de chien de berger, donc. Non, moi j'en ai pas, donc j'ai fait en sorte d'avoir des brebis très proches de moi. Ah, d'accord. Voilà, que ça soit facile.
Oui, sinon. C'est plus simple. Bah, c'est mieux. Donc là, on est à la période des naissances en ce moment. Donc en ce moment, on est à la période des naissances. Mais on a prévu de se revoir à d'autres périodes pour découvrir justement tout le processus de fabrication. Moi, ce qui m'intéresse, de la laine, hein, vous vous en doutez. Donc la période des naissances, c'est la période où tu vas beaucoup plus les couver, peut-être être un peu plus... Alors c'est là où je suis hyper disponible pour elle, c'est-à-dire que je veux vraiment que ça se passe bien, je veux que les agneaux naissent en bonne santé, que ça soit suivi. Et bon, après c'est plus léger parce que quand ça grandit, que ça part dans les pâturages. Oui, là c'est un petit peu plus... Voilà, on peut faire autre chose, mais là c'est vrai que la période des naissances c'est vraiment important, d'autant plus, voilà. L'objectif c'est vraiment d'élever des animaux en bonne santé, pour pouvoir installer des animaux, pour pouvoir essaimer la race avranchine en fait. Ça c'est top. Et la période de la tonte, donc tu m'as dit ce sera au mois de mai à peu près. Mais ça sera pour moi fin mai, parce que fin mai on va organiser des chantiers de tonte. On profitera de ces chantiers de tonte pour former des éleveurs. C'est génial. C'est... Au prix de laine. Oui. De façon à pouvoir avoir des éleveurs. Oui, parce qu'il faut trier après la tonte, donc tout ce qui sont les parties sales, souillées, etc. C'est ça? Ouais, c'est si ça. Si je dis pas de bêtises. Alors en fait, tu as ta toison. Mais on vous montrera, on viendra à cette période et on vous montrera en effet comment ça se passe, comment ça se fait. Mais donc oui, tu vas former les gens à ce côté, donc comment prendre soin de la race, la tonte, les étapes et en fait tout ce qui compose la vie avec des moutons. Oui, la filière en fait. La filière ovine, voilà. Tu vas pas t'ennuyer sur toute l'année, je pense. Non, hein, mais c'est hyper passionnant parce que... Et en plus c'est vachement sympa parce que moi tu peux imaginer que quand j'ai une fille, quand je fais naître une fille ici, je suis sûre à 100% qu'elle va faire une carrière de reproduction derrière. Ça c'est génial. Donc c'est un côté hyper, hyper sympa parce que c'est valorisant aussi. Oui. On se dit qu'on valorise une race et ça nous valorise nous aussi parce que c'est vraiment quelque chose qu'on perpétue et qui va se perpétuer auprès d'autres personnes. C'est ça. Et qui va se perpétuer dans des tricots. C'est ça. Mais alors ce qui est important c'est cette notion là, c'est-à-dire que le mouton avranchin existait avant nous et il existera après nous. Et donc nous on, et est nous, juste on aura contribué à perpétuer. On passe le flambeau. Voilà, c'est ça. Et donc en tricotant avec de la laine en avranchin, vous tricotez avec de la laine qui est à la fois ancienne mais qui va continuer encore après. Et ça c'est juste génial. Pour ce qui est du filage de la laine, donc tu me disais tu fais filer. Alors je fais laver la laine en Bretagne chez Nicolas Coupinel et okay. Après je fais filer, on envoie la laine chez la filature du Rougna. D'accord, ok. Et ensuite tu récupères la laine ici. Toi tu vends de la laine qui n'est pas teinte, c'est ça? Alors j'ai deux sortes de... Sur les pelotes j'ai deux sortes de choses. J'ai la partie en écheveau qui est complètement naturelle. Qui peut être teinte pour les personnes qui font de la teinture. La teinture, absolument. Voilà. Et là, j'ai deux sortes de fils. Un fil qu'on a appelé l'irlandais parce que c'est un fil. Oui, ça m'a intrigué ça. Bah, en fait, l'irlandais, ça parle parce que c'est un fil assez épais. Ça fait penser tout de suite au gros fil, ouais. Au gros fil irlandais. Et donc voilà. Et puis, on a appelé l'autre fil le classique. Parce que le classique, voilà, c'est un fil plus classique. Est-ce qu'on va trouver des fils donc de plusieurs tailles ou juste de deux tailles? On va en trouver, alors actuellement on en a trois. Et là, sur la prochaine production, on va en faire un peu plus. Un peu plus, d'accord. Actuellement, on peut acheter que sur Internet, c'est ça? Alors, on fait énormément d'expositions. On fait des expos, on fait des fêtes de la laine. On fait, bon voilà. Là où tu peux aller, t'y vas. On a fait le teint, c'était super. Là où ça présente un intérêt, et puis voilà, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a un fil issu de moutons de race normande, donc c'est très identifié. Ouais. Avec des moutons élevés en Normandie, donc c'est race normande élevée en Normandie. Donc et la laine est filée en France, donc on est vraiment sur un produit qui est 100% français, ouais. Voilà. Et très identifiable parce qu'en plus nos moutons, eux, ont un pédigré. Faut savoir que voilà, on est éleveur sélectionneur et nos moutons ont tous un pédigré inscrit. Alors, c'est le studbook du mouton. Et donc voilà. Donc nous, c'est très identifié. On fait pas des mélanges. Donc, pour le moment, voilà, c'est notre façon ça, de c'est voir génial. Les choses. Mais moi, je trouve que c'est bien. C'est ce qui nous permet en fait de monter cette filière laine propre en fait. Surtout quand on sait que la laine pure de mouton a tellement de belles qualités. Moi, je vais parler encore une fois en tant que tricoteuse.
Mais ça, c'est valable aussi pour les crocheteurs et crocheteuses. Je veux dire, la vraie laine, au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense parce qu'on n'a quasiment pas besoin de la laver, très très peu. Ça tient des années dans le temps. C'est un très bon isolant, que ce soit pour le froid, mais aussi pour le chaud, contrairement à ce que beaucoup ignorent, parce que le mouton, sa toison, elle l'isole à la fois du froid et du chaud. Donc c'est vraiment plat. T'as vu, même eux, ils sont d'accord avec moi. Ouais. Tu vois, même eux, ils sont d'accord avec moi. Mais je te remercie de tout cœur de ton accueil, ça me fait énormément plaisir. Et sachez qu'elle a un gîte aussi, tiens, je glisse au passage. Pour ceux qui veulent venir en Normandie et qui veulent découvrir aussi un petit peu cette exploitation, tu as un gîte, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'on peut retrouver où, dis-moi? Sur Gîte de France, sur Booking. Et sur ton site aussi. Ah oui, mais là, le site, on va le modifier. Ouais. On va, parce que, enfin, c'est-à-dire que nous, on a créé notre société en mars 2023. Ouais. Et quand je dis nous, on est aujourd'hui 4 associés. Donc, ouais. Donc voilà, il y a Ludivine qui est cachée là-bas. Que je compte bien mettre en image. On fera une petite image, voilà, superposée. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, non, parce qu'elle est toute discrète, parce qu'elle se cache. Ouais. J'en connais une qui s'appelle Baba Wool qui se marrait. Ah, Baba Wool. Ouais, Baba Wool, enfin, tu l'as. Non, j'en parle jamais, Non, j'aime pas. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'on s'est connus, pour souligner, puisque c'est Baba Wool qui nous a toutes les deux sollicitées, comme vous le savez, pour la box Cottagecore qui est déjà sortie au moment où on tourne cette vidéo. Et moi, je trouve qu'on fait des belles rencontres, du coup. C'est ça. Alors nous, Laine sous les pommiers, ça a été créé en mars 2023, donc ça va faire un an. Donc on a encore énormément de choses à faire. Le site internet, il faut qu'on le refasse parce que ça ne va pas. Avant, tu es levée sans faire de laine, du coup. Oui. Alors en fait, on s'est mis à en faire parce qu'en fait, il fallait s'occuper du sujet. Voilà. Et on est parti à plusieurs parce que c'est toujours plus sympa de partir à plusieurs. Et puis on a des chemins de vie qui sont différents, des compétences qui sont différentes. Tout à fait. Et c'est intéressant de coupler, de combiner, voilà, de combiner tout, oui, ça. Oui, tout à fait. Ça fait une belle émulsion. Et du coup, Ludivine, elle a presque 50 brebis. Moi, j'en ai pareil, une cinquantaine. Et puis on a d'autres éleveurs qui nous suivent, qui nous aident, qui dans un premier temps, là, nous donnent leur laine, c'est sympa, à travailler. Et puis bientôt, on va avoir. On va pouvoir s'occuper un peu de toute la filière et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est merveilleux de se dire qu'on va pouvoir avoir toute une filière entièrement en France, ouais, entièrement propre, en collaboration. Enfin, je pense que personnellement, je pense que justement, développer ce côté collaboratif, c'est quelque chose qu'il faudrait développer. Justement. Alors après, nous, notre objectif, c'est pas de se cantonner à la Branchin. Ouais. Puisqu'on est éleveur sélectionneur, on fait partie de l'organisme de sélection des trois races normandes. Et donc, ça serait aussi de s'occuper et du mouton roussin de la Hague, de la laine. Ah, mouton. Le roussin de la Hague, je connais pas, tu vois. Ah bah, il est dans ta région, pourtant il est là-haut, mais à Cherbourg. Hein. Mais comme quoi, vous voyez, c'est pour ça que je fais ces visites-là, parce qu'il y a des choses que je suis sûre que je ne suis pas la seule à ne pas connaître et qui pourtant sont dans notre propre région. En fait, je suis sûre que... Alors, t'as le roussin de la Hague, le mouton cotentin, le mouton roussin. Ah oui, je connais le mouton cotentin. C'est un gros mouton, magnifique mouton qui fait... enfin, c'est très reconnaissable parce qu'il a... Il y a cette couleur rose, cette tête rose, ouais. Il est assez imposant. Et puis la Branchin, donc on est le seul département français à avoir trois races de moutons quand même. C'est pas vrai, tu m'apprends des trucs. Cocorico, non mais il se passe des belles choses dans la Manche. Hein. Faut venir dans la Manche, pas celle-là. Hein. Celle-là. Je suis obligée à chaque fois de la glisser, celle-là. Voilà Ludivine, on a réussi à la convaincre de venir. Alors Laine sous les pommiers, c'est nous deux, avec nos époux. Et donc voilà, donc on a créé cette société. Ça va, vous les avez pas fait forcer, ils étaient volontaires. Non, mais c'est sympa. Mais le truc sympa, c'est qu'on s'entend bien, ouais, on voit les choses un peu de la même façon. Ça, c'est important, je pense, d'avoir et on est complémentaires. Un feeling, c'est extrêmement important, ouais, quand même. Je pense que ça crée justement une plus belle qualité de travail quand on a un bon feeling. Toi, tu tricotes aussi. Pour les nuls, mais je tricote. Pas grave. Donc si, c'est voilà, vrai, quand, du coup, ça va plus être toi qui va donner des conseils peut-être auprès des tricoteurs, oui, tricoteuses, ouais, crocheteurs, crocheteuses qui ont besoin de se renseigner quel type de laine vous me conseillez pour ci, quel type de laine vous me conseillez pour ça. Voilà. Toi, tu... La maman d'Aurélie aussi qui est très... ta maman a 80 ans. Marie-Claude. Marie-Claude qui tricote énormément. Tout à l'heure, si tu veux bien, on fera une petite photo du tricot que tu m'as montré pour superposer, vous montrer un petit peu que on peut tricoter à tous âges. Mais à tous âges. Oui. Ça, c'est important. Alors, Laine sous les pommiers, c'est situé à Marchézieux. Donc, on est à côté de Saint-Lô. Voilà. Nous, on est à 20 km de Saint-Lô. À 20 km de Saint-Lô. C'est un très bel endroit. On a les marais de 40 ans qui sont pas si loin que ça.
Et il y a un gîte. Pour l'instant, il n'y a pas de boutique sur la ferme. Non, c'est mais ça, pour l'instant, ça va venir. Ça va venir avec le temps, ça va, voilà, ça va se mettre voilà, en place. Il faut qu'on soit bienvenu à la ferme, il y a plein de choses à faire et honnêtement, on est assez occupé quoi. Oui, je pense que vous êtes déjà bien débordé. Ouais. Voilà. Après, ce qui est important aussi par rapport à l'essor de la société, c'est qu'on s'est aperçu que, alors, donc on fait énormément de foires, marchés, d'expositions, on montre ce qu'on fait et comment on fait et pourquoi on le fait. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il faut absolument qu'on développe la partie revendeur. Oui. Donc alors je lance un appel, si jamais il y a des gens qui sont partants pour être nos partenaires, nous permettre de revendre, de présenter notre laine, nous on est partants sur des projets comme ça et on en a besoin en fait, parce que on ne peut pas être partout et voilà. Et on est très fiers de notre produit parce qu'il y a la partie pelote, mais il y a aussi la partie feutre. Là, on va même produire des chaussettes. Hein. C'est bien ça. Il n'y a rien de mieux que les chaussettes en laine. Ah oui, moi je... Il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc on a besoin de partenaires. Si vous avez envie, eh ben, venez nous contacter. On ne mord pas et on est plus Elles sympas. Sont sympas. Ouais. T'as vu comme je te fais le... Elles sont sympas. Moi, je confirme. Hein. J'ai été tellement mal accueillie. Non, mais c'est important de valoriser le circuit court en plus. Oui. Moi, je suis désolée, mais j'en parle aussi, j'en profite. Le circuit court, quand vous achetez auprès d'éleveurs, sachez que du coup, tout revient aux éleveurs, à l'élevage, pour permettre de continuer et de perpétuer ça. Et ça, c'est extrêmement important en fait d'en avoir conscience. Et quand vous tricotez avec ça, vous tricotez pas juste de la laine de n'importe où, vous tricotez de la laine qui vient de l'amour des éleveurs et de ce qu'ils ont mis dedans comme énergie. Là, je suis fière de ce que je viens de dire là. Tu as raison. Et en plus, acheter nos pelotes en laine d'avant-champ, c'est aussi aller directement soutenir la filière. C'est-à-dire que bah, plus on va pouvoir commercialiser de pelotes de laine d'avant-champ, et bah, plus ça va intéresser les éleveurs, plus on va pouvoir... c'est complètement vertueux. En fait. Sincèrement, vous avez juste à venir ici, à rencontrer ces moutons avec qui il y a un côté tellement pas sociable, ces moutons-là. Je peux vous garantir qu'après, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir les pelotes après, là. J'attends que ça. Déjà, je suis très contente de celle que j'ai reçue de Babaoul en 100% mouton à branchin. Alors, il est vrai que certains me diront, oui, mais le 100% pure laine, tout le monde ne le supporte pas forcément. Personnellement, je pensais comme ça avant. Là, je peux vous dire que je ne pense plus du tout comme ça parce que en la tricotant, en la travaillant, moi, je trouve que ça se porte très bien, même la peau. C'est mon opinion, tout le monde ne pensera peut-être pas pareil, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la première vidéo ici, mais ce ne sera pas la dernière parce que je compte bien revenir, vu qu'on a été trop mal accueillis, voilà. Je compte bien revenir et essayer de vous faire découvrir un petit peu les différentes étapes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à aller visiter leur Instagram, leur site internet, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à déposer un petit commentaire si ça vous tente qu'on revienne montrer encore plus les étapes de fabrication, les étapes d'élevage. J'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. On vous fait des gros bisous à tous et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !